vraie révélation, c'est-à-dire que ce qui, dans le fond, éloignait, télé, ceci, ça veut dire éloigné, a au contraire rapproché. Et le lointain est devenu proche, et de fait, grâce aux réseaux sociaux, grâce à cet enfermement que l'on a appelé pudiquement le confinement, eh bien, il y a des relations qui se sont établies, et c'est, le primum relationis, hein, d'abord la relation qui va par après se développer. Le rôle qui est le sien, c'est-à-dire non plus des injonctions qui viennent du haut, mais au contraire, je dirais, ce qui est instituant, ce qui vient du bas. Et donc revenir en quelque sorte à ce qu'est la vie sociale primordiale, c'est-à-dire, encore une fois, non pas des injonctions verticales, mais au contraire, une horizontalité. Et les réseaux sociaux, c'est l'horizontalité. Une société qui ne sera plus une société d'enfermement, une société en quelque sorte, je dirais, unique, mais au contraire, prenons la métaphore de la mosaïque, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une cohésion à partir de la diversité. Et tous les réseaux sociaux traduisent le fait qu'il y a des communautés dans les jungles de pierre que sont nos villes, et grâce à ces réseaux sociaux, grâce au fait que le numérique est là, eh bien, il y a une forme de cohésion qui peut se faire, je dis bien, à partir de la diversité.